Raphaël, 40 ans, vous êtes un ancien joueur de D1, professionnel aussi, dans des équipes de Antwerpen, entre autres, FC Liège, Standard. Maintenant, vous êtes entraîneur des équipes féminines à Liège. Comment tout se passe là-bas? Ben, on a débuté depuis 3 ans l'équipe féminine, parce qu'il n'y avait pas d'équipe féminine. Et on s'est pris un peu au jeu avec mon frère, puisqu'il n'y avait plus d'entraîneur. Et moi, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une expérience supplémentaire. J'avais jamais entraîné les filles. On a pris goût. La première année, ça a été très difficile parce qu'on avait un petit noyau. La deuxième année, bon, on s'est maintenu la première année. La deuxième année, c'était encore un peu difficile. On a eu l'occasion d'avoir un très bon recrutement cette année. Et les filles sont très à l'écoute, elles travaillent bien, on a progressé. Aujourd'hui, je suis très content du match parce qu'on a, on a eu une équipe de Westerlo très, 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 très bien organisée, très bonne, qui nous a fait mal une ou l'autre fois. On aurait pu encaisser un but et peut-être ce moment-là, c'est le tournant du match. On ne s'est pas énervé, on est resté calme. On a recommencé à construire le jeu de manière posée, ce qui n'était pas le cas parfois les dernières semaines. Et aujourd'hui, j'ai vu un très bon match, un très 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 bon match entre deux équipes. Le score, je pense qu'il est forcé contre Westerlo parce que on a eu la réussite. Tout ce qu'on a entrepris, on a fait des buts. Et Westerlo, ils ont eu 3-4 occasions, malheureusement pour eux. Et heureusement pour nous, ils n'ont pas marqué. Oui. Mais vous voyez aussi, il y a, vous pratiquez, l'équipe pratique un bon football. Ben moi j'essaye, tout d'abord je demande aux défenseurs de reconstruire, mais aussi de participer, puisque bon, quand, dans ma carrière j'étais attaquant et puis défenseur, et moi j'aimais bien comme défenseur d'apporter un plus. Et ici j'ai expliqué aux filles que dans des matchs importants, dans des matchs au sommet, c'est la défense qui doit amener le surplus dans l'entrejeu, et l'entrejeu doit amener le surplus en attaque. Et ça fait des semaines maintenant où j'ai pris vraiment du plaisir à voir mon équipe évoluer à ce très bon niveau. Oui. Et quel est l'objectif pour ce club, pour cette équipe? Ben, je vais répondre comme ma capitaine. On prend chaque match l'un après l'autre, on se fait plaisir et puis on verra bien ce qui se passera à la fin de la saison. Ok, je vous remercie et bonne chance pour la suite, monsieur. Ok, merci.